Une première génération en 2004, une seconde génération en 2009. Et voici en 2017, ici sur le salon de Francfort, la toute nouvelle Renault Mégane RS de troisième génération. Forcément, donc je vais vous la présenter un petit peu en détail. On va faire le tour de la voiture, suivez-moi. Donc cette troisième génération présente un design très très musclé, à commencer par ses ailes, les voies qui ont été élargies ici. À l'avant, des plus grosses entrées d'air. On a également la nouvelle signature lumineuse un petit peu en drapeau à damier qu'on retrouvait déjà sur la Clio RS. Le logo Renault est toujours aussi gros à l'avant et le petit logo RS juste ici. Voilà. Donc la face avant est vraiment très agressive. Je vous emmène faire un tour un petit peu sur le côté de la voiture. Également sur cette nouvelle Renault Mégane RS, des jantes de 18 ou 19 pouces avec un dessin vraiment très agressif. On voit également les étriers de frein Brembo juste en dessous. Ici, c'est aussi une des particularités de la voiture. On a les extracteurs d'air qui permettent de favoriser l'aérodynamisme. Je continue mon tour, des ailes élargies ici et à l'arrière. On a un énorme diffuseur qui n'avait pas vraiment sur les générations d'avant, avec toujours une grosse sortie centrale trapézoïdale. Voilà, c'est très bien fait. A priori, quand on se trouvera derrière la voiture, on saura à qui on a affaire. Voilà, je vous montre le coffre, mais enfin, franchement, c'est pas vraiment le plus important dans ce genre de voiture. Voilà, je referme rapidement. Le logo RS, évidemment. Et je vous retrouve à l'intérieur. On va passer à l'intérieur. Et on se retrouve à l'intérieur avec, là encore, une ambiance vraiment très typée sport. On a l'Alcantara un petit peu partout sur les sièges. Vous voyez les très belles surpiqûres rouges. Des sièges sport, baquets, qui maintiennent très bien. Également fait avec des appuis-têtes d'une seule partie et le logo RS sur l'appui-tête. Face au conducteur, un volant également surpiqué, du cuir de l'Alcantara, un point milieu ici et le logo RS toujours ici. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer exactement sur le système. Normalement, il y a la télémétrie. C'est une des fonctions de la Mégane RS, je sais pas si je vais trouver. Bon, eh ben tant pis. Et voilà, j'en profite pour vous parler de la motorisation. C'est quand même le plus important sur cette Mégane RS. La Mégane RS, c'est un 1,8 litre TCE essence, évidemment. Celui qu'on retrouve déjà sur l'Alpine. Sur l'Alpine, il fait 252 chevaux. Sur la nouvelle Mégane RS, il en fait 280. Et dès 2018, il y aura également une version Trophy qui en fera jusqu'à 300 chevaux. Cette Mégane RS est disponible à la fois en châssis sport, en châssis cup. Avec le châssis cup, elle est équipée d'un différentiel à glissement limité Torsen. Et on peut choisir également entre une boîte automatique à 6 rapports EDC, comme ici, ou une boîte manuelle à 6 rapports. Alors, petite conclusion sur cette Renault Mégane RS. Malheureusement, on n'a pas encore les performances. Pour ce qui est des tarifs, il faudra attendre aussi un petit peu, notamment le mois de décembre 2017, en fin d'année, pour avoir tous les tarifs complets. Et ce sera le début de la prise des commandes.